Salut tout le monde, c'est Jodan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de chars français, en particulier le M4 A4 SA50, char que je trouve assez pertinent, bénéficie effectivement d'un blindage un peu plus conséquent de ses camarades de BR 4.7 français. Bon, j'avais pour habitude de jouer en priorité le FL10 dans cette line-up 4.7 avant l'arrivée de l'EBR. Bon, l'EBR a un peu surpassé tout ça grâce à sa rapidité, etc. Mais le M4 A4 n'a pas à rougir, il est vraiment très efficace et il arrive qu'il y a plusieurs situations, plusieurs maps où je préfère jouer d'entrée de jeu le SA50. Ceci s'explique notamment par le fait qu'il a un blindage de tourelle qui est beaucoup plus résistant que les autres, et vous cumulez ce blindage de tourelle qui est beaucoup plus conséquent avec une dépression qui va jusqu'à moins 10, là où le FL10 était seulement à moins 6. Ça vous permet de jouer en hold-on, donc en haut d'une colline avec un caillou qui va vous protéger votre bad guys, etc. Et il se trouve particulièrement efficace dans ce genre de scénario. Autre point à savoir, c'est qu'il a un canon excellent. On parlait de Super Charman, effectivement, il a un canon plus que conséquent, puisque c'est ni plus ni moins qu'un canon qui a la même pénétration qu'un AMX-13, à savoir 182 mm pour la première valeur. Voilà, 182 mm. Bon, effectivement, il n'est pas embarillé comme le AMX-13, mais le canon est à la même puissance. Le M4A1, qui est déjà très bon, est en 182 mm aussi. Donc voilà, c'est un très bon char, il n'est pas à négliger. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter un gameplay. C'est un gameplay qui va être assez long avec beaucoup de rebondissements. Et vous allez voir que le M4 A4 m'a permis non seulement de sauver ma game, mais je pense que j'ai, modestement bien sûr, je pense que j'ai sauvé la partie. Ça en est fallu de très peu. Je vais vous présenter ça de suite. On se retrouve donc sur la partie. Donc sans surprise, je commence avec l'EBR 1954. Effectivement, depuis que je le possède, depuis l'opération Winter, c'est le char que j'ai tendance à jouer en priorité. En l'espèce, sur cette map, effectivement, quand on joue de ce côté, évidemment, je prends le spawn du haut et je rush le A. Tout simplement parce qu'on a une route qui nous conduit directement, ce qui nous permet de valider une capture de base assez rapidement. Donc du coup, la partie va se jouer jusqu'au bout. Elle va être assez longue quand même, avec un début qui va être assez difficile. D'ailleurs, jusque la première moitié, ça va être assez difficile. Et vous allez voir que le MA50, là où je galérais, le SA50, là où je galérais jusqu'à présent avec les autres chars, avec lui, bah tout simplement, ça passait, c'était clean, tout défilé. Bon, du coup, on arrive sur le point A. Mon allié, le BR, qui est juste avant moi, qui commence la cap. Je vais directement, comme mon habitude, sur le petit côté droit de la maison. On a un petit passage qui nous permet de surveiller la route qui arrive d'en face. Alors, pardon, je vais mettre en vue joueur. Effectivement, je vois un char, chasseur de char allemand en face. Je tire, je n'arrive pas à le pénétrer. J'essaye de viser son canon. Finalement, je lui fais son moteur avec son tireur et son pilote. Donc j'essaye de retirer, je m'attendais, j'étais pas sûr que, comme je voyais qu'il commençait à aligner le coup, j'ai préféré reculer, mais du coup j'ai perdu tout simplement la cible. Je pense que c'est lui qui vient de répliquer, qui vient de faire mon canon, donc j'ai eu assez de chance. Je recule, je répare, vous vous en doutez. Donc là on est pas mal à se déployer sur le point A. On est pas mal de BR aussi là. Donc du coup, ce que j'aime bien faire aussi, c'était notamment avec la Panthère où j'avais fait une très bonne partie en faisant cette stratégie, c'est j'aime bien me profiler un petit peu sur la droite parce qu'il y a tous les buissons, les arbres, la petite forêt qui nous permet de nous camoufler. En plus, on est assez bas avec le BR qui nous permet un petit peu d'avancer, qui nous permet aussi d'étirer le gameplay au niveau de A, là où où souvent les deux équipes ont tendance à se rencontrer sur A, on permet de prendre un peu à travers. Là, vous allez voir, j'essaye avec les jumelles de repérer, tac. Bon, finalement là j'arrive pas, je crois que je vois un autre truc, un autre char là-bas, finalement il est déjà détruit. Donc du coup je vais me remettre sur le Saint-Émile, et là je vais carrément tirer en troisième personne, voilà. Donc là je pensais lui faire son canon, je crois pas que je lui ai fait son canon, visiblement vu le schéma je l'ai pas fait. Là je le mets mal, je le mets très mal, hein. Je lui fais le moteur, je lui fais le tireur, je lui fais le conducteur, et je lui fais la culasse. Je vérifie sur la droite tranquillement. C'est pas grave hein, si... Bon là il s'est fait sortir, je crois qu'il était encore en vie. Donc du coup voilà, on a tiré le jeu, je check un petit peu sur les hauteurs là. Non, c'est celui qu'on a eu au départ. Je crois que d'ailleurs pour le moment j'ai sorti aucun char. Hein. Non, effectivement j'ai fait 3 points de soutien mais j'ai sorti aucun char.
Là sur la droite, on voit le petit arbre qui est tombé, donc du coup, par instinct, je regarde que je vois rien. Là, je regarde où ça tire à la mitrailleuse, mais je suis assez bas, je vois pas grand chose. Donc là, je me retrouve un petit peu bloqué, hein. Je suis un petit peu avec mon EBR. D'habitude, bah, il faut foncer, mais là, je suis un petit peu dépourvu, on va dire. Donc j'essaie de faire bah, tout simplement un rôle d'éclaireur, au moins repérer les cibles. Toujours rien. A est capturé, B capturé. Un début de game qui s'annonce bien. Un début de game qui s'annonce bien pour le moment. Mais ça va pas continuer. Là, je vois juste un petit bout de tourelle de char russe, il me semble, qui dépasse. Donc je l'ai perdu de vue, je le recherche, je le vois. Malheureusement, le terrain le couvre sur la droite. Voilà. Tac. Alors je vois pas dans le replay si c'est moi qui l'ai repéré ou pas. Et là je me fais prendre un revers. Je me fais prendre un repère. Je crois qu'il y a un char qui est juste à côté, je l'ai pas vu arriver. L'ARL 44 là qui prend cher aussi. Je me replie. Là je suis assez. Voilà. Je lance mes fumigènes pour réparer. En fait, je fais une simulation comme si jamais replié derrière pour détourner un peu l'attention et je vais plutôt réparer derrière la maison initiale par laquelle je suis arrivé. Bon, très concrètement, mon gameplay à l'EBR, il est pas folichon sur cette partie-là. Et d'ailleurs, sur les trois autres véhicules que j'ai joué avec le SA50, ça va être un peu la même. Ce qui va un petit peu contraster et souligner un peu la performance du SA50 par la suite. Donc là, je répare. Bon, j'entends qu'il y a un véhicule moteur sur la droite. Je vois bien sur la map que c'était pas un allié, donc du coup je sais à peu près où je dois aller. Là, je suis en train de reparer. Tac. Voilà, j'essaie de repérer. J'en déduis qu'il est derrière la maison à ce niveau-ci. Du coup, je suis mitigé. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va rester retranché? Du coup, je recule un petit peu pour éviter de m'exposer inutilement. Même si je suis très exposé en soi dans cette position-là. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que je vois un allié qui vient de se faire sortir juste sur ma droite. Donc, ce qui veut dire qu'on commence à se faire prendre numériquement en tenaille. Je tire, je perce pas. Oula, là, il me met mal. Je retire. Là, je lui fais. Je pense que ça doit être son chargeur. Je refais un tir dans le vide, hein, comme ça, par déduction. Du coup, j'essaye de voir un petit peu. Je joue sur le 3. Je joue un petit peu voilà, sur les côtés pour repérer, hein, pour voir un petit peu où ça peut être. Et là, bam, j'ai de la chance, j'arrive à le sortir. Donc ne pas hésiter à, lorsque vous êtes bloqué avec les visions et tout, appuyer sur votre caméra libre, regarder un petit peu et ne visez pas forcément à la première personne. Hein, vous pouvez très bien faire des cibles, il faut juste ajuster le tir. En général, il faut viser un petit peu plus haut que vous le ferez en première personne. Donc là, je vois le T-34 qui arrive là sur la gauche, il dépasse pas et surtout j'entends le véhicule qui arrive sur la droite. Là juste derrière, et là je suis pas bien, là je suis carrément pris de toutes parts. Et voilà, bah, évidemment il arrive et puis il me sort. Effectivement, c'était assez inévitable. Du coup là j'ai pris l'avion, un avion que j'apprécie particulièrement, le P63 C5. Je vois que j'ai un coéquipier qui est juste derrière. Alors là je sais pas ce qui m'est arrivé avec l'aviation, en général je suis plutôt pas trop mauvais, pas pour me jeter des fleurs, mais bon on va dire que sur 2 jets de bombe j'en réussis au moins un. Là ça va être là ça va être cocorico les pieds sur la tête. Enfin, c'est tout ce que vous voulez, mais en tout cas c'était pas dans la cible. Là vous voyez qu'on commence à se faire dominer. Ils ont capturé les 3 points. On est plutôt mal. Ah, sur la droite je vois un tir. Du coup j'y vais, j'essaye. Ah, normalement là je devrais l'aligner là. Je crois qu'il y, y a le gars derrière qui me balance cette roquette, ça m'a peut-être un peu perturbé. Et le kill, il me semble que je ne l'ai pas eu. Non, je ne l'ai pas eu. Parce que le 1 que j'avais sorti, c'était déjà c'était le T-34 russe avec le BR. Donc là, j'ai rien fait. J'essaie de prendre l'IL. Non, c'est pas un IL ça. Bref, il suicide. Donc du coup, je le rate. Tac, ça c'est mon allié. Je vois qu'il y a une DCA. J'y vais, je balance. Tac, je touche. Wow, j'esquive de justesse. Je lui fais son moteur quand même. Tac. Voilà, j'essaie de prendre de la hauteur. Puis là, je me fais sortir de manière assez violente. Voilà. Et assez honteux, je me fais sortir par le premier, premier avion de réserve suédoise. Donc voilà, c'est pas le gameplay aérien dont je suis le plus fier.
Là, je prends le FL10, donc du coup, je spawn à peine que je vois un ennemi, donc je le sors. Là, effectivement, on est un peu encerclé. Là, il rate son tir. Alors, je sais plus si c'est parce qu'il avait tiré trop bas ou si tout simplement, comme j'avais mon respawn, j'étais immunisé pendant les quelques secondes. J'étais très tenté de rester encore, de voir un peu autour de moi, mais comme je voyais que bon, ils avaient l'avantage de la capture des points, j'ai voulu y aller et ça a été radical pour moi. Là, je me fais toucher par une fois par le char lourd, je crois que c'est un IS-2 russe. Attends de confirmer ça. Non, c'est un KV-85 et je rate mes tirs. Et là, c'est la débandade. Comment je peux rater mes tirs? Lui, il m'a pas raté une deuxième fois et je me fais sortir. Du coup, je sors le SA-50 et là. Là, la fin de game va devenir particulièrement intéressante. Donc j'ai mes deux véhicules fétiches, le FL10, EBR, mes deux petits bébés, mes deux petits favoris du BR 4.7 que j'affectionne particulièrement qui sont sortis. Donc du coup, bah, je me retrouve avec le SA50, SA50 qui m'a sorti de situation pour le moins assez peu confortable. Bah, il s'en est pourtant sorti la tête haute, donc du coup j'y vais. J'ai pas la cadence du tir du FLD, j'ai pas la rapidité du Uber, mais bon, bah tranquillement, j'ai quand même sur le point A. Je reste cantonné sur le point A. Bon, on vient de perdre B, donc là, on est vraiment dans le mal. On a perdu plus de tickets que les adversaires, et ils sont en train de capturer le troisième point. Donc là, on est vraiment, vraiment en difficulté. On n'est plus très nombreux in-game, hein. On est. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 1, 2, 3. Ah, ils sont pas très nombreux en face aussi, hein. Ils sont pas très nombreux en face. Donc là, vous avez vu pendant ce temps que j'ai sorti un adversaire. On voit plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et nous, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on est en infériorité numérique. Ils ont les points. Donc techniquement, on a tout pour perdre. Mais c'est sans compter sur notre super Sherman à la française. Alors, il me semble que c'est un char qui a été modifié légèrement par les Israéliens. Voilà, mon allié qui a vraiment pas de chance, qui se fait exploser littéralement par l'aviation. Ça aurait pu être moi, mais on peut pas toujours avoir de la malchance. Donc faut le dire ce qu'il est, je suis assez content quand même d'avoir survécu. Donc là, ce que je fais, c'est que. Bah, j'ai attendu un petit peu pour tirer, hein, de bien être aligné, et au moment de l'explosion, j'en ai profité pour tirer pour pas qu'il voit où je suis au cas où que je ratais. Finalement, je le one shot. Et là, je vois un véhicule qui arrive, bam, il sort. Je vois un deuxième véhicule qui arrive, je recharge. Là, il me repère. Voilà le blindage, que ce que je vous disais avec le FL10, ça aurait pas été la même. Je le sors. Je reviens sur le premier, je l'avais pas sorti, mais je l'avais fait. Je crois que c'était son canon, ou du moins son tireur. Je retire dessus, ça ricoche. Ouais, ça ricoche quand même à 20 mètres. Ils sont plutôt bien anglais. J'ai vraiment du mal avec ces chasseurs de chars sur cette partie allemand. Et finalement, je le sors. Donc du coup, j'avais sorti 3 véhicules avant. Je crois que j'en avais sorti un avec le BR et deux avec le FL10. Et là, c'est mon quatrième que je sors. Ouais, c'est mon quatrième que je sors avec le SA50. Ça fait même pas 3-4 minutes que je le joue avec. Je reste sur la position, je continue de caper. Et du coup, va se poser la question de qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je pars sur B pour essayer de cap? Vu la vitesse du Sherman, le gros point faible des Sherman, vous le connaissez, c'est sa vitesse. Bon, il a une vitesse avant qui est assez correcte, mais sa vitesse arrière va laisser tomber. Donc, même si j'ai pas l'intention de me rendre sur point B en vitesse arrière, la mobilité, je suis pas serein à l'idée de traverser une plaine avec ce char. Là, juste derrière, il y avait une DCA russe là, qui est arrivée, je l'ai pas vue. Ben, heureusement que j'ai un allié qui était derrière pour assurer mes arrières quand même. On a fini de capturer A. Donc on a quasiment perdu en fait. On a quasiment perdu. Il nous reste toujours, ils ont toujours l'avantage d'avoir 2 points de plus que nous. Du coup, je décide de rester en position défensive. Voilà, je regarde un peu partout autour de moi. Je vois un T-34, je le sors. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est un spot que je viens de découvrir. C'est qu'en fait ici, bah, on a un très bon champ de vision. Ça me permet en fait vraiment de couvrir A. D'ailleurs, là, je vais voir au loin le 8,8 cm flak. Tac, je le tire dessus, donc du coup je lui fais, je crois, le chargeur. Donc là, j'appréhendais un petit peu qu'il m'ait vu. Du coup, j'assure le tir, je tire en plein dans le canon. Là, je fais vraiment ces trois bombes, ces chargeurs et commandants à la fois. Puis du coup, là, j'imaginais qu'il restait qu'un seul, que les deux membres d'équipage dans le cockpit, on va dire. Et donc du coup, je les sors. Tac.
j'enlève les repères. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, là, ça me permet sur la gauche de les voir venir et sur la droite de couvrir un bon tiers de la map quand même au final. Hein. Donc le spawn de gauche, ça me permet vraiment de contrôler le spawn de gauche. En sachant qu'on est en infériorité numérique, je me dis, je vais pas bouger sur B, je reste sur A, je contrôle ce domaine et je vais essayer d'en assurer, de maintenir le contrôle dessus. Là, j'entends un véhicule, donc j'imagine qu'il est un petit peu à mes 1 ou 2 heures. Donc du coup, j'oriente la tourelle, je laisse venir tranquillement, je me prends pas trop la tête. Voilà, le bruit se fait de plus en plus fort. Je le vois arriver tranquillement, lui me voit pas. Tranquillement, je prends mon temps, il m'a pas vu et je le sors en one shot. Donc ah, voilà. Tac, je vois un autre véhicule ici. Je recule un petit peu. Tac, voilà, je vais voir ce qu'il fait un petit peu. Un char russe, T-34. Du coup, je me mets en hold on, je monte un petit peu. Voilà, ma dépression de moins 10 me permet tout à fait de le calibrer. Voilà, je le mets en feu. Sa tourelle ne peut plus tourner. Voilà. Tac, je retire dessus, je le sors pas. J'ai son chargeur, j'ai sa culasse, je finis toujours pas. Et là, il explose avant que je tire le troisième coup. Et heureusement que j'ai pas tiré mon troisième coup parce que sur la gauche, je vois tout juste un char qui vient de rentrer dans les bosquets. Voilà, tac, il m'avait vu. Je le sors en one shot. Vous voyez là que les tirs, je les aligne. Hein. Je suis déjà à 12 kills. Donc j'en ai déjà fait 8. J'en ai déjà fait 8 en tenant cette position. Maintenant, c'est nous qui avons l'avantage. C'est nous qui détenons deux points de contrôle. Ah, je continue de regarder un peu partout autour de moi, même derrière moi un petit peu parfois. Je vois que j'ai quand même une des sacs en couverture derrière moi. Là, on est en train de reperdre B, donc là, je me dis, littéralement, je me dis fait chier quand on est en train de. C'est la game où j'avais repris un petit peu l'ascendant, en tout cas le contrôle de ma partie personnellement, bah, je m'aperçois que ça va être un peu vain. Et finalement, je vois qu'à B, bah, les kills pylônes, là, on voit qu'il y a 2 kills qui viennent de mourir, donc je sais pas quel est l'allié qui était sur B. Mais en tout cas, on lui doit vraiment, je pense qu'on lui doit la victoire. Bon là, je vois toujours pas le véhicule qu'on a pu voir avec le marqueur arriver. Je suis toujours en mode contrôle visuel. Et là, j'entends les tirs, donc je choisis de sortir de ma cachette. Parce que je reste toujours camouflé par les bosquets qui entourent la route. Et là, j'entends que ça vient plutôt sur la gauche au final. Voilà, et je vois un petit bout du véhicule, effectivement, juste l'arrière-train. Donc du coup, je me positionne en embuscade, je recule, je cherche une ouverture dans les bosquets de gauche. Je coupe pas mon moteur, mais je me mets à l'arrêt pour pas qu'ils l'entendent. Et je laisse venir tranquillement. Voilà, je vois qu'il met un peu de temps, je me patiente un petit peu. Et je le one shot. Le pauvre là, il a rien pu faire. Donc je sais, ça doit être très frustrant. Et là, vous voyez que les tickets sont quasi épuisés pour chaque équipe. Mais notre allié central a maintenu le contrôle de B. Et à nous deux, on a tenu nos positions. Sur C, notre équipe a laissé tomber depuis longtemps et je pense que c'était pas plus mal. Et la partie va s'écouler comme ça. Donc plutôt bonne game, on va dire. Hein. Ouais. On peut dire ça comme ça. Vous voyez que j'ai quand même fait pas mal de kills, beaucoup plus qu'avec les chars premium. Donc j'avais la position, l'avantage d'avoir un char qui était assez lent, donc ça m'a permis de réfléchir. Ça m'a aussi forcé à rester sur place et à défendre le point initial de A. Je pense qu'avec un Uber, même avec le FLD, j'aurais tenté de partir sur B et à tous les coups je me serais fait sortir. Je pense que le plus optimum c'était de me mettre dans un point de contrôle où j'étais pas trop visible et en même temps bah, je gardais quand même une vue sur une bonne partie de la map et facilement, au moins que j'avais à l'œil tout le spawn ennemi. Donc effectivement, je me suis fait 13 charges, j'ai eu 5 assists, j'ai capturé 2 points, je suis mort 3 fois. Donc une bonne petite partie.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit char. Moi, je trouve que ce super Charmin à la française, il porte bien son nom. Et je pense qu'il n'a rien, il n'a pas à rougir par rapport au M4 FL10 et au BR. Et je rebondirai sur le fait que je pense pas que les véhicules premium soient forcément plus OP que certains chars qu'on peut trouver dans l'app de recherche. Donc, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encouragerait. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!